présentez-nous Rendez-vous Info. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Rendez-vous Info, moi c'est Valerio Saint-Louis. Depuis Studio 4, dans la Voix d'Amérique, dans Washington DC, nous parlons de l'information, actualité que nous parlons de casser mon son ensemble avec vous. On a regardé, grand titre nouvelle, mais qui ça y est? Convention Parti démocrate a fini avec discours côté que vice-président Kamala Harris accepté officiellement nomination li comme candidat parti pour aller dans l'élection en novembre prochain. Pendant ce temps, ancien président Donald Trump a mené campagne dans l'État Arizona, l'a essayé bâti un momentum. Candidat à la présidence indépendant, Robert Kennedy Jr. lui-même tout dans l'État Arizona. Moyen-Orient, négociation a continué dans ville Caire dans pays Égypte. Yon jan pu joindre un camp tiré dans la guerre Gaza sans participation Hamas. Et puis Venezuela, Cour supérieure pays a confirmé que c'est Nicolas Maduro qui gagne l'élection. Une fois encore, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Rendez-vous Info. Non pas M. Valerio Saint-Louis, c'est grand titre ça que nous pourrons développer pour vous avec l'autre toujours. En entrée d'actualité, élection ici aux États-Unis. Eh bien, c'est hier jeudi 22 août là que convention Parti démocrate là t'est fini avec discours ça que vice-président Kamala Harris t'est bail côté que l'été accepté officiellement nomination pour aller pour la troquer connait contre ancien président Donald Trump dans l'élection novembre qui vient là. Eh bien, correspondant collaborateur nous sous place, Jacqueline Bélizière, l'été sous place. Et le tépo débat nous en pile reportage. Jacqueline Bélizière, bon dernier reportage sous convention ça qui finit hier. Jacqueline Bélizière. Rideau tombé sous convention nationale Parti démocrate là 22 août 2024 là dans Chicago État Illinois avec vice-président là Kamala Harris qui accepté choix délégué démocrate dans une soirée qui déroulait dans une ambiance chargée à couleur, chaleur, musique, spectacle. Kamala Harris accepté solennellement responsabilité. On behalf of everyone. Non tout le monde qui croit que c'est seulement dans le plus gros pays sur la planète là que l'histoire a écrit, moi accepter choix nous pour venir candidat pour me tourner président les États-Unis. Kamala Harris raconte histoire personnelle pour montrer qui gens li connecté et comprendre électeur classe moyenne. We are charting a new way forward. Nous tracer un nouveau chemin pour nous suivre. On envisage une classe moyenne jump qui a progressé parce que nous connaissons une classe moyenne qui jump a toujours essentiel pour le succès aux États-Unis. Et construction classe moyenne, ça, c'est pour aller un objectif déterminant pour l'administration. Vice-président là, qui prend son pour signaler expérience comme ancien procureur, dans même lien avec stratégie patia pour mettre en face li Donald Trump, un monde la justice condamné. Guilty. Tant qu'on pile intervenant, Kamala Harris mettait peuple américain en garde contre un document qui décrit politique extrême droite qui lié à Trump, ça que ancien président toujours rejeté. And we know what a second Trump. Nous connaissons à qui ça, un deuxième mandat Trump t'a semblé. Yo tout trouvé dans projet 2025 là que conseiller pi proche li écrit et pi gros objectif là, c'est faire pays à retourner dans le passé. Mais États-Unis pas garder en arrière. Et public là bon côté pas te répondre, nous pas fait back. Pendant ce temps, manifestants pro-palestiniens ont foulé béton chaque jour. Manifestants ont pas influencé position Kamala Harris sous dossier Gaza. S'il soulignait importance pour palestiniens rejoindre protection et assistance, il réaffirmait tout soutien li pour sécurité Israël. Et il lançait un appel pour un cessez-le-feu rapide et pour négociation yo joindre une solution existence deux états. Gaza c'est seul point désaccord démocrate yo. Sous 4700 délégués, 270 signés une pétition. Discours Kamala Harris a fait environ un mois après Joe Biden t'a annoncé l'y abandonner course présidentielle là et soutenir vice-président Lia qui pas jamais suspendre remercier pour service li. Joe, moi rempli à reconnaissance. Bilan extraordinaire et l'histoire a bien pour montrer ça. Et caractère inspiré moun. Dog avec moi-même, nous remet ou même à Jill et n'a pas pour nous une reconnaissance éternelle. Après discours ça, c'était une ambiance familiale. Gouverneur Tim Walz, colistier Kamala Harris te rejoignit sous podium nan, pour te clôturer convention nationale patia dans Chicago 74 jours avant élection présidentielle qui gagne pour dérouler 5 novembre 2024 là. Prochain grand rendez-vous dans l'actualité électorale ici aux États-Unis, c'est surtout débat entre candidats. Jacques Le Bélizère, VOA Creole, Chicago.
Merci Jacqueline Belizea qui était sous place dans ville Chicago, il t'a fait un travail super, reportage, image que le t'a ba nous. Jacqueline qui déjà na route pour retourner venir nous dans Washington DC puisque et convention démocrate là fini. Toujours actualité élection ici aux États-Unis, bruit a couru dit comme quoi candidat présidentiel indépendant Robert Kennedy Jr, il était paré pour la guépiel, pour quitter course là et en même temps tout, il était paré pour t'a endossé ancien président Donald Trump. Eh bien, Sandra Le Maire, il y a plus de détails pour nous pendant que deux personnalités politiques y a fait campagne dans Arizona. Sandra Le Maire. Robert F. Kennedy Jr. retiré non li sous bulletin vote dans Arizona. Un jour avant lui même avec Donald Trump, te programmé pour yo faire un paraît dans zone ville Phoenix. Retrait Kennedy a fait bien tard jeudi et puis vini nan moment bruit a couru pour dire comme quoi Kennedy ta ka bay course présidentielle la vague et puis endorsé candidat républicain. Kennedy pral parler dans Phoenix vendredi après-midi. Sous chemin campagne li apprend nan jou kap vini yo. Trump lui-même a participé dans un meeting politique dans Glendale qui c'est une ville voisin. A lot of respect for RFK Jr., you know that. I've known him a long time. Il dit qu'il y a un pile respect pour RFK Jr. Je connais monsieur depuis longtemps, il est très intelligent. Il y a un petit genre différent, mais ce n'est pas un problème. Laissez-moi un air intelligent. En pile, mon aimé monsieur, il me tendait de vivre par course la vague. Pas oublier, il était fait face avec injustice. Campagne Trump à Kennedy a augmenté compliments yo yon pour l'autre derrière scène pendant semaine qui passait yo. There are rumors that he's going to make an endorsement. That would be a great honor for me. Il dit bruit à courir pour dire comme quoi il pral endorser. C'est un grand honneur pour moi, un grand honneur. Malgré Kennedy poko expliqué pour qui ça la bail discours aujourd'hui, nouvelle la vini dans moment campagne a fait face à un pile défi et puis un gros baisse dans popularité. Sandra Le Maire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra Le Maire, n'a précisé que candidat Robert Kennedy Jr. justement t'es parlé tout à l'heure là, il dit effectivement, il la guépiel, il quitte Kousla et il endossé candidat à la présidence. Eh ben Donald Trump. Na vie actualité à nous parler dans pays Venezuela côté que t'es gon élection qui créé en pile la troublaille, en pile tête chargée puisque manifestation était presque crasé pays là. Eh ben la Cour suprême dans pays ça, l'y confirmé que c'est Nicolas Maduro qui gagne élection. Reportage Marie-Luce Pierre. Cour suprême Venezuela a appuyé réclamation président en place là Nicolas Maduro fait pour dire que les bat candidat opposition Edmundo González dans élection présidentielle qui était déroulée dans date 28 juillet passé à et qui en discussion. Tribunal là qui gagne la donne monde qui loyal envers Maduro te dit hier jeudi à, après les fin réviser matériel autorité électorale la tibay, il était d'accord que Maduro te gagné un troisième mandat 6 ans. Mais déclaration juge en chef là Carislia Rodriguez te fait. Exhorta al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados definitivos del proceso. Chamsa a certifié matériel électoral et validé résultat élection présidentielle 28 juillet 2024 là que Conseil électoral national l'a publié. Côté Nicolas Maduro Moros, t'es élu comme président République bolivarien Venezuela pour période constitutionnelle 2025 là que Conseil électoral national l'a publié. Côté Nicolas Maduro Moros, t'es élu comme président République bolivarien Venezuela pour période constitutionnelle 2025-2031. Donc c'est décidé, déclaration juge en chef là, Carislia Rodriguez. Autorité électorale qui était déclaré Maduro vainqueur vote là, dans quelques temps après bureau vote yo était fermé, rapporté que président a gagné plus passé moitié dans vote yo, mais il n'a pas publié aucun résultat. Marie-Luce Pierre, VOA Creole. Merci Marie-Luce Pierre, actualité après mener nous fois ça dans Moyen-Orient côté que n'a faut qu'on est que parti conseiller toujours à chercher ouais qui est capable joindre un camp tiré dans affaire la guerre en Gaza. Et ben négociation a fait fois ça dans Caire dans pays Égypte sans participation Hamas. Reportage Gentil Augustin Junior. Jeudi, vendredi 23 avril 2024 là, négociation pour joindre un suspens tiré dans la guerre Gaza ak libération otage reprend Jean yote annoncé li semaine passée à nan Qatar. Nan moment côté la guerre entre Israël ak Hamas là continue à plagier dans territoire palestinien. Porte-parole premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dit hier jeudi à nan aswe que David Barnea ak Ronen Bar nan Vilker en Égypte côté yo al négocier pour faire avancer yon chita palé pour libérer otage yo et puis
suspend tiré dans Gaza. D'après médias israéliens yo, américain présent tout dans capitale pays l'Égypte là. Yon l'autre fois encore, Hamas pas voyé représentant dans négociation yo. Kamala Harris, que président Joe Biden choisi pour représenter parti démocrate là dans élection novembre 2024 là, dans discours li dans convention nationale parti a pour accepter nomination li comme candidat pour président, déclaré. With respect to the war in Gaza. Dans ça qui gen rapport ak la guerre dans Gaza. Président Biden ak mwen travaille 24/24 parce que ça c'est moment pour joindre un accord pour la guerre otage ak pour suspendre tiré. Bam parler piclé. Mwen pral toujours défendre droit pour Israël défendre tête li et puis mwen pral toujours assurer que Israël gen capacité pour défendre tête li parce que Israël pas doué jamais connait encore la terre que yon organisation terroriste qui rele Hamas té la cause 7 octobre 2023 et li té continuer pour dire en même temps. Ça qui passe dans Gaza pendant 10 mois qui sont passé yo, c'est gros quantité innocent qui perdit la vie yo. Pendant un pilote moun désespéré à grand goût, pendant y a couru pour insécurité. Niveau souffrance là, c'est crève que. Président Biden ak mwen a travaillé pour mettre fin dans la guerre ça. Pour Israël ka gen sécurité, pour otage yo la guerre, pour souffrance dans Gaza fini et comme ça peuple palestinien ka exercer droit pour li vivre dans dignité, dans sécurité, dans liberté et pour li ka diriger tête li. Harris promet pour bay Israël sécurité, fait otage qui dans Gaza yo retourner la caillou et puis mettez fin dans la guerre sous territoire palestinien. Pendant bombardement recommencé dans centre Gaza, bonnet jeudi vendredi a, médiateur dans ville Caire en Égypte continue à pousser pour joindre un accord suspend tiré qui t'a ka mettre fin dans la guerre qui là depuis 10 mois entre Hamas et l'armée Israël. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil Augustin Junior, m'a rappelé au cours sous VOA Creole et ou branché rendez-vous info. Actualité après poursuivre dans quelques secondes, nous retournons, nous parlons de réaction qui continue à tomber sous et bien sanctions ça que pays les États-Unis prend contre ancien président Joseph Michel Martelly. Ou sous VOA Creole. Actualité après poursuivre dans rendez-vous info fois ça n'a pas l'eau de réaction qui continue à tomber sous sanctions ça que pays États-Unis prend compte ancien président Joseph Michel Martelly fois ça nous pour aller dans zone la France pays la France côté que communauté haïtienne dans zone ça lui même tout lui réagit et certainement sous place nous un correspondant nous depuis Paris Franklin Edouard Guedems qui parlait avec quelques monde qui ont même bail opinion par eux sous sanctions ça que les États-Unis prend compte ancien président Martelly. Décision que le département Trésor américain prend pour sanctionner ancien président Michel Martelly a provoqué en pile réaction divergente et convergente en dans la communauté haïtienne de France. Sanction a deux fonctions. Première fonction, n'a pas un gros mot cathartique, fonction pour nettoyer tout système politique haïtien. Pas oublier, système politique haïtien, il est caractérisé notamment par la présence d'une élite sans-carrière, d'une élite délinquante. Ça veut dire qu'il a une économie criminelle. Deuxième fonction, sanction ça, une fonction de test pour Gary Conny. Parce qu'en plus, le monde pense que Gary Conny a un lien tout près avec Michel Martelly. Son moyen maintenant, pour Gary Conny, montrer que, eh bien, il y a une séparation qui fait. Cordon ombilical l'a coupé. Pour un pile monde, c'est pas la première fois qu'il y a pris sanction, mais ça va jamais mener plus loin. De l'autre monde qui croit que ça a servi de exemple. La première fois qu'il y a pris sanction contre dirigeant en Haïti, pas oublier, le Canada, t'es déjà pris sanction contre Michel Martelly, qui ça fait pas grand fait, que fait la justice haïtienne ou la justice internationale. Il y a de plus, et cette fois-ci, son bagage en plus, mais tout ça, by Martelly plus aura dans le monde international là. Est-ce que ça prend une répercussion sur le pays d'Haïti? Non plus. Haïti pas grand, il a toujours été même genre. En plus, il y a l'élection Haïti et Michel Martelly pour participer. Et deuxièmement, sanction au prend pas gain aucun effet pénal sous président Michel Martelly. Au cas où, je vous dis, c'est le peuple même, et c'est le peuple qui condamne M. Martelly.
et avec business li, c'est-à-dire suite Mickey qui condamne Matéli en France, Matéli pas qu'à exercer business li en France, Canada et les États-Unis, République Dominicaine, Haïti, etc. Nous t'as souhaité que c'est une bonne décision de justice qui peut faire peuple là au moins et monsieur continuer dans le cap fait bandit, on peut dire ah monsieur plus gros crainte aussi. Bon, faut que ministre de justice haïtien lui-même lui prend bagaille au sérieux parce que il y a qu'ils ont ancien président de dealer drogue mondial. Pas gen jouet nan bagay la. Matéli pa kap passe moun nan bêtise parce que nous gen précédent déjà et faut que yo fè le nécessaire pour mettre mandat international ou bien arrêter. Décision ça que les États-Unis prend contre Michel Joseph Matéli, on capable dire c'est un grand palier vers la démocratie. Nous-mêmes dans l'organisation, nous t'ai toujours mandé il faut que gen des mesures qui prend contre Michel Joseph Matéli parce qu'il est impliqué dans un paquet de bagay en Haïti. Non, surtout n'a fait d'autre, surtout dans crime financier, et ça qui va une naissance avec tout problème qu'on a subi en Haïti aujourd'hui. Véra Creole, sous place, la suivre, notre réaction pour auditeurs et téléspectateurs, la voix de l'Amérique créole. J.D.M.S. Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la voix de l'Amérique créole. Merci, Jason Franklin-Edouard. N'a précisé que gen pile l'autre monde qui au même beaucoup t'es pas yo, yo supporté Atisla, yo supporté ancien président. Gen quelques promoteurs qui au même fait qu'on est, et jusqu'à présent, eh ben, balle que Sweet Mickey t'a supposé jouer, notamment dans la cour Washington DC et dans la cour New York, il semblerait que yo toujours programmé. Et d'après même promoteur sa yo, balle sa yo, gen lève une plus populaire, gen ticket qu'à vendre plus, d'après promoteur sa yo. D'après promoteur Sweet Mickey dans la cour New York, nous t'ai parlé ensemble avec lui, Michel Martelly, Sweet Mickey Atisla, gen pour jouer dans le carnaval de Bordea, dans la coupe Brooklyn, VOA Creole, a suivi dossier ça pour vous de très près. En vue d'actualité à fois ça, en allant dans le pays d'Haïti, côté que hier jeudi, c'était une visite que le Premier ministre Gary Conille était fait dans la ville au Cap et n'a pour rejoindre le correspondant nous sous place dans au Cap, Gérard Maxino, qui pourrait présenter nos reportages ça. Et en même temps, tout le fait nous connaît que c'est la première visite Premier ministre haïtien a été fait depuis que l'est installé sous chaise bourrée dans la primature là, dans la ville au Cap. Gérard Maxino. C'est la première visite Premier ministre Gary Conille réalisé en dehors capitale là. Selon PM Gary Conille, Mounocap subit également crise là parce que selon lui, yo pas capable faire investissement, yo n'en fait noir sans parler de monde qui déplacé yo qui viennent augmenter ça ou qui était déjà à vivre dans ville là. Alors que majorité crise là c'est dans le département de l'Ouest, dans la zone métropolitaine avec l'Antibonite. La vérité c'est que au Cap avec le Nord, Mouno Cap avec le Nord, subit crise là tout. Yo subit prix la vie qui augmente. Yo subit investissement nous va faire dans la zone. Yo subit le fait que yo en fait noir de bon bout. Yo subit le fait que yon gen moun qui déplacé, qui vient constituer pression sous service. Donc il est absolument important pour moi, alors que m'a préparé, m'a planifié prochain cycle budgétaire qui a commencé le 1er octobre, que nous planifions pour les gens qui parlent dans la zone métropolitaine, qui subissent et qui subissent toujours. Donc ça c'est le premier élément. Assurer que dans la feuille de route, nous tenons compte de tout le monde qui subit la crise là, même si on parle dans la zone métropolitaine. Mais deuxième raison qui fait là, c'est parce que je crois tout que la région Nord a une solution à la crise. Il y a une pratique que nous avons apprendre. Il y a des gens, population mariée à la police. Il y a une opportunité d'investissement pour que des pays à continuer à croître. Il y a une opportunité pour nous créer des services longs et innovants. Donc, le NAP garde des solutions crise là tout. Nous ne pouvons pas garder des solutions seulement dans la zone métropolitaine. Nous sommes obligés de garder des solutions dans la zone, en dehors de la zone métropolitaine. Donc, c'est la deuxième raison qui fait là. Mais la troisième raison qui fait là, c'est parce que justement, nous avons espéré que nous avons venu. Le Haïti traditionnellement a cherché inspiration, la chercher espoir, la chercher exemple de résilience. C'est là qu'on vient. C'est là qu'on vient chercher et comprendre que l'on met tête ensemble, n'a pas rien à réaliser. Chef Frima, tu as fait qu'on est de l'autre côté, il ramasse doléances policiers dans la ville cabahitienne qui n'a pas de matériel de travail avec machine. Selon PM, c'est avec Zongyo, les policiers ont fonctionné. Dans ce sens, il exhorte toute administration publique. Fait inventaire pour trouver véhicule et équipement pour force l'audio. Justement, je parle avec monsieur là et je te montre dans quelles conditions c'est à zone yo y a boumé. C'est ça que fait nous faire trois bagages. Premièrement, on a rationalisé les ressources par nous, incluant l'autre ressource qui est en détail.
pas plus tard que semaine dernière, demandé toute administration publique là pour faire inventaire de forces spécialisées, de pick-up, de véhicules, pour nous capable faire inventaire pour moi comment nous utiliser les ressources pour supporter la police. Deuxièmement, dans le cadre du budget, nous avons regardé pour nous comment nous bailler messieurs policiers dans la zone métropolitaine et ailleurs, équipement et besoin pour être capable de faire travail là au-delà de véhicules. Et troisièmement, nous avons travaillé avec des partenaires qui sont très très engagés pour supporter la police là, pour aider à mobiliser les ressources pour nous assurer que la police là a tout ça nous besoin. Premier ministre haïtien, Gary Conny, a profité de visiter Central EDH Cap Haïtien, l'hôpital universitaire Justinien, direction départementale Nord, police nationale là, pour ne citer ça au seulement. Gérard Maxino, Cap Haïtien, pour la Voix d'Amérique. Merci Gérard Maxino. Pendant que le Premier ministre Gary Conny lui-même était fait visite dans Praplo, c'était hier dans la ville au Cap, dans Port-au-Prince, il y a quelques organisations qui ont même continué à faire et à revendiquer, à faire même manifestation pour demander conseil présidentiel transition révoquer Premier ministre Gary Conny. Et en même temps tout, ils mettaient à l'écart trois membres conseil présidentiel transition. Ils ont même trois membres ça qui gagnent non qui cité dans affaire corruption. Fois ça, son reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Convention Bois-Caïman yon structure qui regroupait plusieurs organisations sociopolitiques et partis politiques déjà recevoir environ 45 000 signatures par rapport à 500 000 sous pipiti y a besoin ramasser pour exiger révocation Premier ministre Gary Conny et trois membres conseil présidentiel transition qui gagnent noyau cité dans scandale corruption. Nous voulons parler des docteurs Louis Gérald Gilles, Emmanuel Verdiller et Smith Augustin. Explication, Jean-Anderson Bolivar, coordonnateur général Convention Bois-Caïman. Convention Bois-Caïman lance pétition, ça gagne environ 13 jours. Déjà, nous avons environ presque 45 653 signatures jusqu'à matin. Déjà, la population a sollicité des machins, mais en même temps, tout, et la bataille tout pour que CPTA en soi ta mette sous côté trois conseillers qui impliqués et dans soupçon de corruption 100 millions de gouttes qui sont à l'agent BNCA. D'autre part, nous même dans commission Bois-Caïman, nous croyons qu'il est nécessaire et pour CPTA avec secteur remplacé trois conseillers ça leur démarche là c'est pour la révocation, n'a demandé révocation CPTA pour révoquer Gary Conny pour bon à rien. L'ennemi bon à rien, c'est pas d'un pour incompétent. Sous question qui a rapport à l'état d'urgence sécuritaire que le gouvernement haïtien renouvelé, eh bien, Jean-Anderson Bolivar dit c'est juste pour faire corruption en un pays. Nous remarquons que son état d'urgence que il a fait pour faire blanchiment d'argent, il a fait état d'urgence ça pour débloquer plus comme pour faire corruption. L'ennemi nous dit ça c'est parce que dans le pays qui est organisé, dans le pays de la France, il y a un état d'urgence duré 12 jours. Voilà que depuis sorti sous le gouvernement Ariel Henry, prend CPT, prend le chef gouvernement Gary Conny, nous presque environ 4 mois d'état d'urgence. Et je ne dis à combien de pour l'état d'urgence, qui ça a fait à l'état d'urgence, est-ce qu'il y a une amélioration qui est faite dans le niveau sécurité pays? Nous tous connaissons déjà la question de sécurité à l'immobilier grave, et, mais tout, question de corruption dans l'état, il y a tous les niveaux. Déjà, l'État a un monopole de la violence légitime, mais l'État, pas nous, à l'heure actuelle, il a un monopole de la corruption légitime. Le leadership politique là, doit changer en Haïti pour capable résoudre problème insécurité et corruption dans le pays. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Fois ça, nous parlons de la culture, musique, HMI, ça veut dire Haitian Music Industry en anglais, musique haïtienne, la culture, c'est Jude de Wonsre qui présentait nos segments ça. On a regardé. Artiste solo Carole de Mesmer est arrivé honoré dans ville North Miami dimanche qui s'est passé là dans cadre 4e édition programme annuel Champette dans Miami. C'est dans centre communautaire Pégéra Jean-Just que événement est déroulé en présence plusieurs mélomanes qui devine corée Carole de Mesmer pour contribution à évolution culture haïtienne pendant plus passé 40 l'année qui s'est passé là yo. Carole de Mesmer te recevoir l'honneur respect ville North Miami main en main avec office commissionnaire Marlène Bastien avec l'autre autorité dans ville.
bilan. Après cérémonie, Carole de Mesmin a exprimé émotion et satisfaction dans micro VOA Creole. Bon, premièrement, il est très émotionnel parce que tout le monde ça en pile dans eux, c'est deux monde qui fait carrière Carole Maoulé. Donc yo même grandi sous scène là, c'est ça que fait me dit moi grandi et me vieillir avec yo. Donc c'est beaucoup d'émotion et en même temps beaucoup d'espoir parce que nous avons une communauté qui a des jeunes là-dedans. Nous avons signalé que divers artistes et interprétés chantaient Carole de Mesmin et même dansé sous musique qu'elle composait. Parmi artistes qui étaient performés, Johanna Hiller a expliqué raison présence dans la soirée. Je me sens très fière, je me sens très contente parce que c'est un monde que je regarde depuis petit. Moi, c'est mon Léogan. Tout moi-même, moi, je suis à peine là qu'on a piquant. C'est un plaisir. C'est ça qui fait que je quitte tout ça pour me faire, pour me venir parce que je suis un monde qui est très occupé dans le moment. Moi, j'ai des vidéos, des musiques qui vont venir, moi, j'ai shoot toute semaine. Là. Mais moi, je mets tout le bagage de côté pour être capable de venir honorer grand dame ça, grand légende ça qui c'est Carole de Mesmin. Je suis très fière et très contente. Bon côté Pali, artiste engagé, Farajus, se fait songer que Carole de Mesmin, si un cavalier pour le cas, il n'est pas à Kapala pour soirée ça. Alors, je ne suis pas capable. Carole avec nous avons une histoire ensemble. Nous commençons dans la bataille, dans la lutte là, contre les Duvaliers, la dictature des Duvaliers ensemble. Il était Boston, moi et Brooklyn. Alors, nous avons une histoire ensemble. Nous menons la même bataille. Malheureusement, je dis à pays à Jean Lier, mais nous pas découragés. Nous continuons à lutter. Alors, présence moi là, c'était pour me honorer Carole et pour me dire tout le monde qui était passé. Puis on t'a honoré Carole, merci parce que c'est moi qui ai honoré tout. Mon nom c'est Gauthier Bernard. Alors, Mamie Fête Champêtre, c'est son tradition, son bar que nous créons depuis 4 ans. Donc nous devons faire dans la cour mais Anissa de façon spéciale, nous faisons là-dedans et nous destinons, nous dédions Anissa, nous dédions à la Carole de Mesmin. Dans toute société, il y a des gens qui sont des mouns qui représentent des symboles. Et bien, dans la société haïtienne, dans Carole, son symbole lié. Donc, c'est la raison ça, nous honorons Carole Assoya. Ouais, tout le monde est fier. C'est un bel spectacle. Et nous disons Carole encore merci parce qu'il était présent. Il est venu accepter. Vous dédicace à Assoya. Pour toute nouvelle, sauveur d'être yo dans business musique haïtienne, non pas, c'est Jude Ronsré pour VOA Creole, Miami. Wow. Merci, Jude de Ronsier. C'est sous dernier note nouvelle, la culture ça, que malheureusement, bulletin nouvelle, nous rendez-vous info pour journée jeudi a fini. On bel, parce que son bel, une bonne façon pour nous finir. Un bel hommage que remet by Carole de Mesmin Maoulé. Mais grand titre que nous avons développé pour vous, rappel grand titre, nous t'es saut parler de, eh ben, candidat indépendant Robert Kennedy, qui finalement, li quitté course là, li lagué pied, li pas dans course électorale là encore, et cette fois-ci, li endossé, et ainsi, li endossé ancien président Donald Trump. L'autre actualité que nous développé pour vous, journée jeudi a, c'est convention Parti démocrate qui finit hier, nous t'ai gagné Jacques Belisa sous place qui fois ça li déjà dans route pour le tourner venir nous là dans Washington DC. Reportage était bien réalisé et certainement Kamala Harris vice-présidente là li t'ai bail discours li officiellement pour l'accepter nomination. Et puis dans pays Venezuela, il fait nous connaît nous apprend tout que eh ben cour supérieur pays Venezuela li décidé li déterminé que c'est Nicolas Maduro qui t'ai gagné élection. C'est comme ça que bulletin nouvelle nous finit pour journée jodi a, mes amis jodi a vendredi, m'pensais que nous t'ai passons bonne semaine avec VOA rendez-vous info, moi-même tout me dégage plaisir passer semaine ça ensemble avec nous. Et ben jeudi à c'est vendredi, c'est moment pour nous relax. Nous remarquons que jeudi à mon petit j'en relax tout. Et ben mettez-moi relax parce que c'est vendredi, c'est week-end. Passons bon week-end. Moi t'es passons bon moment avec toute équipe VOA Creole là. N'a pas salué Serge François Michel, Marie-Lucie Pierre, Marie-Luce Pierre, gentil Augustin Junior et certainement directeur nous derrière la table contrôle là, c'est Jean-Marc Hervé Abela et nous pas oublier chef service nous Sandra Le Maire, nous pas Valérie Saint-Louis. Merci tout le monde, bon week-end et à la semaine prochaine. Bonsoir. Désir Venesse et Samet Anout Nouyo et PM Gaïkoni
monsieur qui réagit dossier qui est pour ancien président monsieur Joseph Matéli. Selon PM Gaïkoni, monsieur dit, tenez bien ce mimio, c'est parce que le système de justice n'a pas fonctionné, qui la cause ces paysans minouyo qui a sanctionné pour nous. C'est parce que le système de justice n'a pas fonctionné et qui la cause paysans minouyo qui a sanctionné pour nous. Déclaration PM Gaïkoni. Sous dossier Michel Joseph Matéli, que département Trésor États-Unis prend décision pour capable sanctionner monsieur. PM Gaïkoni croit. Le PM n'en croit tout, c'est responsabilité l'État haïtien à travers ministère justice pour contacter États-Unis pour demander tout détail sous dossier ça pour informer peuple haïtien. Ça veut dire que PM Gaïkoni li ba garantie que gouvernement l'a dirigé et comme chef CSPN yo prend très au sérieux question sanction que département Trésor États-Unis bail avec Michel Joseph Martelly. Et selon ça que nous apprendre qu'il va attendre PM entend pour que pays société connaît exactement qui monte tout l'empire dans quatre dossiers sanction matériel trafic drogue trafic zam blanchiment l'argent et c'est ça département Trésor reproché avec ancien président Michel Joseph Martelly Désir Venesse. La situation premier ministre Dr. Gaïkoni, c'est dans le cadre de la visite li, dans le cap haïtien, selon lui, c'est pour évaluer ensemble de et moyens qui capable de permettre le développement fait dans la deuxième ville pays. Il visiter ça qui est pour avec l'aéroport, AAN, il discuter avec eux, il visiter l'hôpital, il discuter avec responsable l'hôpital, sans côté l'autre institution importante qui dans le grand pays que le premier ministre Dr. Gaïkoni li pratiquement visiter. Il essaie donc de regarder en pile l'autre information. Infrastructure qui gagne dans deuxième ville pays, tant que l'hôpital universitaire Justinien, usine électrique à Kajosie Manti, li entendu tout dans mission officielle qu'il te gagne et dans métropolis nord pays d'Haïti, eh bien, chef gouvernement te rencontré à officiel autorité aéroport national et ça qui pour avec AAN et bureau aviation civile, li discuter avec responsable OFNACIO pour décider sur développement région nord dans domaine mi Gration, l'explication. Premier ministre Dr. Gaïkoni, en présence autorité locale, yo, accord diplomatique, a profité, rencontré avec personnalité qui dans la région noire, et puis discuter sous crise socio-sécuritaire, avec stratégie gouvernement, doit mettre en place, pour empêcher impact, insécurité, qui dans, et pratiquement, dans le département, l'Ouest pays, à le département de l'Antibonite, pour le parc et papier, dans le département nord pays, l'explication. Gagné, Pierre Espérance, qui annoncé, ou ta cap saisi, c'est à PNH là, c'est à Noamil Rameau, qui t'a dû annoncer quantité matérielle, yo t'a dû gagner cap vini pour yo, les personnes, eh bien, c'est Pierre Espérance, yon non responsable, RNDDHO, c'est lui-même qui annoncé, yon ensemble matériel cap gagner pour vini pour la police. Mais qui ça, Pierre Espérance dit, pendant le parler? Moi, pense, bandit yon arrivé dans limite yo. Yo pral mouri, si yo pas remettre zam yo, et puis, pour yon pote tête yon, bay la police. Yon pral mouri. Parce que bientôt, dans le week-end ça, au soir, dans le commencement semaine prochaine, kap vini yon, ça veut dire, dans moins que 8 jours, police nationale d'Haïti, après se voir, plus passer 20 machines blindées. 20 blindées. C'est ça que Pierre Espérance li parle de personne. Pas qu'on est, de qui sous ce qu'elle puise, qui fait le bay information si là, et bien, abdi yon, que Pierre Espérance, responsable RNDDHA, te annoncé. Nouvelle si la, yon façon, et qu'elle rassure, elle mette accent sur nouveau blindé si la, ou ka bien pour venir, c'est pas blindé, transport des troupes, que yon kon wè que la police kon gagne. Li parle de yon trentaine l'autre blindé, kap vini pour officier kenyan yon, pour force multinationale la. Li dit c'est plus que yon soixantaine blindé qui ap vini
Les journalistes qui t'ont questionné là, Assad Volsi te demandé, est-ce que c'est des blindés et Acheni qui a vini? Lui dit, oui, semble c'est et dans dimension son qui a vini. Est-ce que Kounia, autorité dans la police, Pape Galzi, que Pierre Espérance, il tout annoncé bandit, mais qui matériel qui a vini, mais qui j'en pourrais arranger? Parce que nous voyons dans tout dernier moment, ensemble, rapport que la police a produit sur tout DCPJ, yo pas joué du tout avec quel que soit si erreur, quel que soit groupe mon attaque à faire, ou même secteur pressant. En pile monde qui a analysé, dit qu'il y a une tentative de babouquette et que Jean-Claude Duvalier, dans le bout du, t'es entendu pour t'empêcher de travailler la pression, de travailler avec liberté, c'est ça qui a fait ces fêtes-là. En pile monde t'a regardé que c'est le gouvernement qui semblait instrumentaliser DCPJ contre surtout médias en ligne comme canal qui permet que l'information arrive rapide, quel que soit côté information. Et ça permet à pile monde qui dans la population qui a analysé, qui a questionné. Et problème si là, les personnes, eh bien, ces affaires, il y a diverses organisations qui défendent le monde. Il y a diverses avocats qui font d'office des questions. Ça. Ministre Justice Pays, lui fait office des scandales. RNDDH dénoncé dans le dossier Libération et Madame Edwin Tonton. Il a fait quoi que c'est cabinet, M. Ekil, qui tape défend toi. Qui t'a défendu, madame Silla, eh bien, pendant le vin, ministre de justice, lui arrangé, c'est même cabinet qui fait suivi sous dossier, qui permet qu'elle arrive vers une libération de l'inspiration. Dossier Matelia, là, dans l'autre dimension, dans le niveau États-Unis d'Amérique, et même en Haïti, Silla, qui pratiquement, dans le gouvernement de transition, qui au moins voulait quitter non, yo, l'inspiration, après scandale corruption qui est là, il y a déjà concerté entre eux, ministre de justice, premier ministre, ça, qu'on connaît qui c'est ministre intérieur tout, yo déjà discuté, directeur général de la police, Geta Chita ensemble, nous t'a apprendre même et BLTS qui règle affaire drogue en Haïti, après c'est donc responsable, Chita pour discuter, pour qu'on ait qui j'ai cap abordé problème Michel Joseph Matelia qui lié avec question drogue, parce que c'est pas Matelia pour contribuer à la situation, il faut pas qu'il y ait l'autre monde qui va côté. Matelia pour les États-Unis d'Amérique, lié ensemble transaction qu'il pas qu'à faire avec la banque, mais en Haïti, il n'y a pas parlé de bien que Michel Joseph Matéli gagne en Haïti. Et divers citoyens haïtiens qui pratiquement gagnent et naturalisés aux États-Unis d'Amérique, ils ont déjà préparé pour mettre une interdiction, déclarer personne à non grata, nous ensemble des states, pour Matéli pas qu'à mettre des pieds, même pour la performer de l'esprit. Désir, mais les qui comme ambassade, comme information, là, m'a dit que m'apprenne. Gen PM Gary Koni, qui lui-même t'a rencontré mercredi TV21 d'Outland, ministre de Justice, non, M. Carlos Hercule, commissaire gouvernement Port-au-Prince, non, M. Bourgoin, directeur ULCC, Hans-Joseph Lulich et Joseph, responsable aux affaires financières, responsable unité centrale renseignement financier, avec DG la police, Rameau Normil, qui donc, DG et PM Gary Koni, monsieur qui lui-même a regardé dans quel niveau il est capable d'harmoniser et la police a harmonisé l'État dans la bataille pour arriver quand même. Mais contre question ça réglé et banditisme qui existait là, question insécurité, question violence qui est là. Et l'autre information que nous avons des en bas chez nous, nous apprenons que qu'il y a un chef gang, un gros chef gang haïtien, que la police autorité dominicaine a arrêté la caillou dans ce domaine et que 15 autres suspects qui ont arrêté Désir Venesse. La police nationale dominicaine s'y allait que, ils ont arrêté jeudi, hein, mais 15 moun et qui fait ma partie, qui s'est ma présumé, ils ont bande criminelle, que un certain d'eux, alors, un chef gang haïtien, que un peu moun connaît sous nom, Pierre Peggy, alias Johnny, monsieur qui s'était membre groupe gang criminel nous trois, 400 Maozo, et bien qui n'a quoi des bouquets, et bien monsieur était quitté quoi des bouquets, monsieur était sauvé, il était dans ses domaines. La police a cherché monsieur. Et selon rapport, la police dans ses domaines. Mais gang ça, mais les concentrés dans volet et bagay moun, camionnette moun qui a passé sous route Joaquin Balaguer là, qui relie Santiago avec Los Caballeros, Navarrete et l'autre ville dans Sibao. Mais si c'est que ça qui a arrêté yo, mais c'est 14 garçons et une femme qui a opéré pendant que y a dit yo mettait sur yo des ensemble des vêtements agents comme si même agent dominicain
Il y a un agent dominicain, il y a un métier pour être capable de compter vigilance et il y a un vide dans l'espace. Mais selon ça, qui dit que l'autorité dominicaine, yo. Mais parmi les gens arrêtés, il y a un certain de Glenis Gomez Santana, qui est une dominicaine haïtienne et qui est un madan chef présumé gang, qui est même c'est, et comme je dis encore, bon, monsieur qui est même c'est Pierre Péki. Mais c'est ça que l'autorité dominicaine fait qu'on est. Et je dis là, il y a un travail tête collée avec l'autorité haïtienne pour garder comment vous êtes capable de voir les gens. En Haïti, Désir Venesse. Nous allons venir avec la question PM Gary Kouni, si que vous avez pas ajouté Désir, concernant ça qui est pour avec la déclaration ça, que PM Gary Kouni lui-même n'y fait Désir Venesse. Ma connaît, ce qui est pas ajouté de plus. Blessed Asson, Dr. Gary Kouni, qu'en songe qui t'es inscrit dans ça qu'il y a avec question et scandale, quel t'es dans Petro-Caribe ou bien dans détournement bien public, ou quoi que non, t'es fait partie. Ensemble, dossier si là-haut. Mais ça n'a pas empêché qu'elle te vienne premier ministre pays. S'il parlait que justice noire, il n'a pas fonctionné ou bien il n'a pas existé, sur ce point, nous cap dit, il y a raison. Je dis, comme premier ministre, comme ministre intérieur, collectivité territoriale, c'est pas venu faire constat, c'est pas venu plaindre, mais c'est agir pour remembrer l'autorité de l'État. C'est arranger pour nous restabiliser l'État. C'est arranger pour nous permettre que l'État soit l'État serviteur qui cap corriger ça qui a passé là. C'est pas parler en d'aki. Je dis les États-Unis côté Dr. Gary Kouni, il pratiquement fait 12 l'année, il a travaillé, il retourne là dans le cadre d'une mission selon certains secteurs. OK? Ou qu'on aime bien que Michel Joseph Martelly ça a reproché là et pas quoi que c'est menti a fait sur lui. De fait que ou même comme premier ministre ou t'es collaboré avec Michel Joseph Martelly, tout le monde te voit que ou t'es parti quitter job là ou bien ou t'es retiré ou dans job là, pas de monde qui te connaît raison fondamentale qui fait que ou t'es quitté job là ou bien ou t'es retiré ou dans job là. Mais je dis comme ou dormi agent ou gonfler agent ou lever agent ou comme tout ça agent qu'a fait, je dis c'est pire activer la police, la justice en Haïti pour saisir le dossier. C'est pas venu dire que la justice en Haïti, les faibles, les pas fonctionner, qui fait pays voisin ou à bas coup de main, à aider nous à sanctionner. Et nous-mêmes, nous là, nous constater, nous tenter de qui ça qui est reproché, ancien président, c'est pour la justice en Haïti contacter les États-Unis d'Amérique, département trésor, pour permettre qu'il y ait un dossier endu, non mais il qui permettre qu'il y ait attaqué en justice tout bien que Michel Joseph Martelly gagne. Comment faire ensemble de bien qu'elle gagne? Aux États-Unis, l'État américain saisit. Et je dis à nos grands pays qui trouvent une situation précaire. Pour quantité bien Michel Joseph Martelly gagne en dedans pays d'Haïti, qu'est-ce qu'on fait avec comme corruption, qu'est-ce qu'on fait avec comme drogue, qu'est-ce qu'on fait avec comme Petro-Caribe? Si on saisit ensemble bien ça, la fête qui change pour pays d'Haïti. Comme c'est même secteur mafia qui n'a question banque en Haïti, ou cap mate pour yo faire gel sur ça que Michel Joseph Martelly gagne. Comme compte en banque en Haïti, la situation, la bien envie de tout compte, pour soit pas aider l'autre monde, responsabilité, non, ça qui est pour avec l'argent qu'il gagne dans la banque en Haïti, mais au moins, aux yeux du monde, nèg sa yo, qui dans le conseil présidentiel de transition, qui dans le gouvernement koni, non, faut que yo font bagay, pour au moins, que moun yo wè, que yo te tente font bagay, surtout, dans dossier corruption, à dossier de drogue, pendant que même, y a parlé d'élection, pour éviter pas gagner des drogues dilets, pour éviter pas gagner des corrompus, qui viennent soit au Sénat, à la députation, à la magistrature suprême de la République, le président, faut que vous arrangez pour mettre des balises de l'expression. On a vu avec PM Gary Kouni qui est vraiment intéressé pour nous avoir entendu. Je parle avec M. Yola et M. Sandrine. Dans quelles conditions c'est à Zongyo et à Poumé? C'est ça que fait nous faire trois bagages. Premièrement, on a voulu rationaliser les ressources, pas nous, incluant l'autre ressource qui est dans l'État. Parce que dans la semaine dernière, on a dit toute l'administration publique là pour faire inventaire de sports spécialisés, de pick-up, de véhicules, pour nous capables de faire inventaire pour comment nous utiliser nos ressources pour nous supporter la politique. Deuxièmement, dans le cadre budget, nous avons regardé pour nous comment nous capables de faire M. dans la zone métropolitaine et ailleurs. Équipement, il y a besoin pour être capable de faire travail. Alors, au-delà de ancien président Martelly sanctionné, quelle position? Et troisièmement, nous avons travaillé avec des partenaires très, très engagés pour supporter la police, là, pour démobiliser les ressources pour nous assurer que la police ait tout ça qu'elle a besoin. Je ne comprends pas et je ne comprends pas qui est aussi important pour moi que la police
au Cap, dans le Nord, équipé, bien la quantité qu'il faut pour qu'elle fasse travail, que la police justement capable d'engager là, à temps plein la situation. Vous êtes l'hôpital de Michel Martelly, l'index de Joseph Michel Martelly concernant les sanctions au Bali. Position pour vous? Je vais expliquer comment vous comprenez. Réfléchir à ça de la perspective de peuple et population haïtienne. Population haïtienne dans le bon jour, et elle tendait que l'une d'un pays de ses amis, qui a pile moyen, annonçait que l'ancien président que l'élu fait des choses qui sont assez graves. La population voulait comprendre. Il voulait des informations, mais quel détail, mais appréhender ce qui passait. Donc, responsabilité de l'État, c'est avant tout pour que le ministre de la Justice, m'en désormais, s'il vous plaît, partagez avec moi. Documentation, partager avec mes formations pour me comprendre ça qui passe. Mais deuxièmement, tout, il faut que l'institution responsable pour ça, il même tout, il faut garder ça qui passe à l'époque, il faut laisser comprendre, pour venir expliquer si votre population, qui ça bagaille là, il est en réalité, qui fondement qui gagne dans ça, et côté, par exemple, responsabilité de l'État, c'est ça. Mais bon, je m'en dis non, quel est le problème. Il y a une raison qui fait que ces paysans qui ont sanctionné, c'est parce que le système de justice panouan n'a pas fonctionné. Si le système de justice panouan n'a pas fonctionné, si nous prenons responsabilité pour que gagner imputabilité, nous n'avons pas besoin de ces autres amis pour obliger. Dernière question pour nous, IBM. Nous avons regardé la mission multinationale de soutien à la sécurité, qui déploie dans le pays il y a plusieurs semaines. Est-ce que il y a population d'elle seulement dans l'Ouest, avec de la Tibonite, puisque c'est département ça qui est plus ou moins touché, puis plus, face avec le phénomène de sécurité, ou bien c'est une mission qui a vu aider la police nationale qui a vu les peuples haïtiens, surtout des départements. Qui pays amis qui accompagnent vous? Pays amis, c'est une très bonne question. Nous avons plusieurs là. Évidemment, nous avons les Nations Unies, nous avons les États-Unis, nous avons le Canada qui est là avec nous, nous avons l'Espagne qui est là avec nous, nous avons le Mexique qui est là avec nous, nous avons tout pour pas nous dire qu'il y a un cadre de diplomatie. C'est une occasion, je dis, diplomatique, comme on connaît bien, mais c'est surtout l'occasion pour nous de venir visiter avec. Fais trois points ça. Isla, c'est pas de points liés, mais Isla a une implication pour tout Haïti. Qui est-ce qu'on a bénéficié directement? Qui est-ce qu'on a bénéficié directement? Réaction sur MMSSA, c'est que MMSSA. Est-ce qu'il a déployé seulement sous les 50 000? Là, pour l'accompagner et supporter force de police là pour rétablir la sécurité. Vous avez dit que c'est force police avec l'armée d'Haïti qui a déployé pour assurer le bien équipement, instrument et monde que besoin pour le bien équipement. Dans un état d'urgence? Évidemment, non. Évidemment, dépendamment de gens besoin, oui, on a décidé avec force là comment l'a déployé pour être capable efficace. Mais rappelez-nous, on ne pas là pour suppléer la police nationale, l'armée d'Haïti, le ministère de l'Intérieur, le département de la justice. Responsabilité sécurité, c'est responsabilité haïtienne qui est avant tout. Zami, c'est tout le monde en bas. Désir, autant des PM, non? Oui, il y a encore responsabiliser la justice haïtienne. Ok? Et je comprends ça, PM, non? Hein? Ok? Je dis là, mais si PM n'a pas de justice là qui est faible, c'est non, pas. Sous-dit faible, c'est justice, c'est pas fonctionné. Pas fonctionné. Elle n'a pas existé plutôt. Parce que sinon, si pas fonctionné, pas existé. Mais je dis là, ça moi-même, moi comprendre, et ça moi-même, moi qu'a dit, c'est engagement. Engagement pour nous est comment que nous capables arriver, solutionner et résoudre ça bien là. Parce que pas oublier, Guy Konite, chef CSPN, bien qu'il pas fait en pile temps. Peut-être m'a connait son 3 ou 4 mois, là il était premier ministre. Là ça il était en les tête et m'a connait ministre justice à l'époque là. Bon, peut-être est-ce que là 4 mois comment il était fait en il était cagé te faire paquet de bagaille. M'a connait. Mais c'est exactement ça comme désir. Et le bagage pour nous dit, qu'on a qui ça nous pourrait le faire? Qui ça nous pourrait le faire? Et pour nous capables, yeah.
qui ça nous peut faire pour nous permettre que ça gagne là comme situation que notre dossier sanction ancien président Matéli, est-ce que vraiment ça PM nan dit hein? Qui mandé à travers ministère de la justice M. Carlos Hercule que en plus moun qu'on est toujours lié avec PHTK. Et bah moi dis non, mais en plus moun toujours lié avec PHTK. Est-ce que le gars gagne le courage pour que li contact li fait travail li comme ministre justice pour le demander avec autorité par aux États-Unis yo puis yo fait faire connaissance des documents ça yo et si toutefois que yo ta joine vraiment des éléments palpables des bons preuves des bons preuves non même et que Matéli impliqué est-ce que yo prend le travail dans tête collée avec autorité américaine yo pour agir contre ancien président Matéli bien dit si t'as des bons preuves est-ce que la justice mais autorité haïtienne même dit comme ça pral travail dans tête collée avec autorité américaine yo pour que yo agit pas seulement contre ancien président Matéli mais contre qui ban l'autre monde tout que pays Canada que les États-Unis étaient déjà sanctionné OK et comme pral servir avec ça tout si yo gen tout dossier nan men yo yo gen tout bon chef preuve nan men yo et puis yo rive réagir contre moun sa yo Desi Venes Ken Gavin avec Pierre Espérance Kounia Blaise pas gen volonté bon côté l'état parce que depuis sou parler Gary Koné li tout dit que la justice haïtienne pas gen rien qu'elle fait parce que li tout justice ça pas fonctionner si ou bon justice qui pas fonctionner qui Jean le pral fait qu'a faire suivi bon côté autorité américaine yo sous quatre dossiers sanction qui prend à l'encontre de Michel Joseph Matéli comme nous grand simon nous-mêmes nous traverser la rue pour coton nous gain capacité d'analyse nous gain capacité de faire considération sur ça de ça qui dit je veux dire nous comprendre je veux dire c'est pour agir l'état pi bon si premier ministre docteur Gary Koné te dit que li prend acte et l'a agi avec gouvernement là surtout par le biais ministère de la justice pour saisir dossier là parce que si gagne sanction étrangère faut gagne sanction locale tout ou pas qu'à arranger tout sanction c'est sanction étrangère que oui et puis Michel Joseph Matéli là il chargé bien toute bagarre il a marché dans pays d'Haïti sous pas gagne capacité pour faire ça ou déjà mettre en doute ou déjà rendre que justice dysfonctionnelle est-ce que c'est pas même justice ça qui t'a arrêté Edwin Tonton pour corruption c'est pas même justice ça qui t'a arrêté Charles Echansi pour détournement bien public. C'est la même justice qui dit que pas fonctionner. C'est vrai que nous, impunité a grandi parce que la majorité de gens qui ont arrêté dans la longue supérieure, dans le volet dans le pays d'Haïti, ils ont utilisé le problème humanitaire pour aller et vers loi l'Espignasse, pour vous directement pour tomber dans l'Abeas Compos et pour permettre de sortir dehors. Pour regarder dans l'Abeas Compos, ils ont pris un temps pour son choix de bataille. Pour tout voler, pour tout assassin qui a séquestré l'État. C'est des lois, ça, yo dit que Madame Edwin Tonton li bénéficie, c'est des choses qui bénéficie, parce que vous malade. Et les gens qui sorti dans la rue, yo diam passe, y'a réglé l'activité. Faut que nous arrangions. Si nous faisons pays, vous nous faisons pays. Et les États-Unis, peuple haïtien dit autant pis souple, quitte hypocrite. Pour ça, nous faisons là, c'est hypocrite. Gede moun nous pas même faire des marches administratives même. C'est pote bourre nous vin prayo. Bon, qui ça empêche la, pendant Michel Joseph Matéli, qui gagne ensemble des soirées, qui continue de te kembe, et promoteur ou fait quoi? Des plus tickets qui vendent Blaise Peterson après nouvelle sanction sa yo, qui tombe sous Michel Joseph Matéli. Est-ce que moun sa yo, qui pratique pour pral gagner, pour alternativité sa yo, qui a organisé yo, est-ce que c'est haïtien? Est-ce que c'est haïtien qui pral la de yo? Ça, ça le tout permet de nous comprendre. Que peuple haïtien li pas marche collé avec ça qui trop bon peut-être c'est ça qui pas bon yo c'est eux même qui vous mettez en valeur parce que si le quoi ça promoteur dit moun qui a organisé bal avec Michel Joseph Matéli yo